C'est toujours un plaisir de voir pour nous, de vous informer. Merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle sortie d'Info Pacifique. Le bilan des cas confirmés de COVID-19 en hausse constante. Le nombre total des infections est passé de 219 à 234 en fin de journée du mercredi 13 mai. L'UNICEF, interpellé par les conséquences de la COVID-19 sur les enfants, y vient de lancer un appel pour soutenir sa réponse humanitaire en faveur de cette catégorie de la population. Haïti risque de connaître des situations de pénurie dans le contexte de la COVID-19, ce qui pousse le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer dans l'immédiat la production agricole. L'administration Moïse Jout peut compter sur le support de la FAO qui soutient déjà des familles agricoles dans les départements les plus vulnérables du pays. Le président américain Donald Trump menace de rompre les relations avec Pékin. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le bilan de la COVID-19 en Haïti s'alourdit en 24 heures seulement. Le total de cas confirmés est passé de 219 à 234 après la découverte mercredi soir de 15 nouvelles infections dans le département de l'Ouest. Le ministère de la Santé publique et de la Population rapporte qu'à date, 18 personnes sont décédées, 17 ont pu être traitées et 199 cas sont actifs. Tout l'espoir que ces chiffres vont continuer à augmenter au fil des heures vu que le MSPP poursuit les prélèvements sur des personnes suspectées pour avoir été en contact avec des malades à la COVID-19. Il n'y a pas lieu de se paniquer. Pas plus de 8 personnes sur 100 développent les formes graves de la COVID-19 et meurent. Des statistiques qui paraissent élevées en termes de pourcentage par rapport aux pays de la région, explique le docteur Ernst Noël, le responsable du programme national de la sécurité transfusionnelle. Le comportement des citoyens qui minimisent les symptômes ressentis qui sont semblables à ceux de la COVID-19. Les maladies pulmonaires non soignées sont à la base de cette situation, à le docteur Heinz Noël, on l'écoute. Et il y a un problème qui posait, je dis, là où la situation, ça, il faut comparer à qui ça passait bon la caillou dans la zone. Si nous regardons bien, dans la zone Caraïbes, là, si nous comparons nous avec la République dominicaine, par exemple, nous prenons compte que jusqu'à présent, il y a entre 4 et 5 % de monde qui mourent. Ça veut dire que sous chaque 100 monde, il y a perdu entre 4 à 5 monde. Et nous rappelons, nous avons un gros palampile sur la zone équateur en période donnée, côté que nous avons pris les quantités de monde qui ont mouru. Eh bien, je dis, à l'en comparer les chiffres, il n'y a pas aller au-delà de 5%. Nous-mêmes, nous, à 7,6%, ça veut dire que nous, toujours, même si nous avons dit qu'il y a amélioration la semaine dernière, côté que nous sommes au bout de 12%. Et ce qui est capable d'expliquer le taux de mortalité, ça que nous avons dit. En réalité, Haïtien, pas à l'Al-Kaï docteur, généralement, tout autant que le capable de marcher debout et est capable de faire toutes les affaires. Et ça, qui ça a entraîné comme conséquence, c'est que probablement, les gens que nous testons positifs pour COVID-19, pour Corona, eh bien, ils arrivent très très tard dans le moment ça. Deuxième facteur que nous avons considéré, c'est ça y aurait les comorbidités. C'est qui maladie que moun n'a te gen déjà avant que li vin gagne infection à coronavirus là. Autre point à ce journal, le responsable du rectorat de l'Université d'État d'Haïti travaille à sauver l'année académique 2019-2020. Harold Toussaint annonce que les cours devraient pouvoir reprendre, mais à distance, comme l'impose la pandémie de COVID-19. Le vice-recteur aux affaires académiques de l'UEH informe que les professeurs suivent actuellement une formation sur l'orientation des cours dans les différentes facultés publiques du pays. Le professeur Harold Toussaint. Il y a une question qui est pour nous, et directeur général de ce palais, c'est cette formation à distance là. Parce que formation à distance là, je vous l'ai dit, il vient incontournable. Ça veut dire que aucune université, côté d'un pays pauvre, côté d'un pays riche, ou pas qu'à passer de formation à distance là.
il vient un grand défi pour nous, pour toute l'université. Comme dit, que ou t'es en France, que ou t'es en Europe, et que ou t'es en France, Europe déjà, que ou t'es en Amérique, Amérique latine. Donc, formation à distance là, il vient imposer. Et toute université à travers le monde maintenant, ils mettaient deux mains en tête, et il y en a eux-mêmes qui commençaient à demander dons, qui demandaient concours pour être capable d'accompagner les étudiants parce que l'université, grande université, ça, ils ont été préparés. Une mesure pour protéger le personnel de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DINEPA a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre les portes du bureau central à Pétionville ainsi que les annexes de Maïgaté et de Delma. Dans un communiqué, la DINEPA a indiqué que cette mesure fait suite au décès d'un chauffeur de l'institution le 12 mai dernier. Les responsables de la DINEPA informent que tout le personnel des bureaux concernés est mis en quarantaine et tous les locaux de l'institution seront désinfectés en vue de limiter les risques de contamination au coronavirus. La crise sanitaire de la COVID-19 n'épargne pas les enfants à travers le monde. Il est rapporté à des décès concernant des enfants et des adolescents. Ces mineurs subissent aussi les conséquences de la pandémie sur les économies. La COVID-19, qui a déjà tué plus de 290 000 personnes, a augmenté considérablement le nombre d'orphelins dont le monde. Consciente de cette situation qui risque d'aggraver les conditions d'existence des familles, l'UNICEF a lancé un appel pour soutenir sa réponse humanitaire en faveur des enfants touchés par la pandémie. La pandémie est une crise sanitaire qui devient rapidement une crise des droits de l'enfant, a notamment déclaré la directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore. Ces fonds, dit-elle, nous aideront à répondre à la crise, à nous remettre de ses séquelles et à protéger les enfants de ses répercussions. Harmoniser les intérêts des deux pays, Haïti et la République dominicaine, en cette période de crise sanitaire. C'est l'objectif d'une série de visioconférences entre les ministres des Affaires étrangères haïtiens et dominicains. Lors de la deuxième discussion mardi, le ministre Claude Joseph a profité de l'occasion pour informer son homologue Miguel Vargas Maldonado que depuis la découverte des deux premiers cas de COVID-19 en Haïti, des mesures strictes ont été prises en vue de contrôler la propagation du virus sur le territoire national. Réagissant directement aux déclarations de M. Maldonado selon lesquelles les données des autorités haïtiennes n'étaient pas fiables, Claude Joseph a informé son interlocuteur que son pays travaille en étroite collaboration avec notamment l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé. Saison cyclonique, risque de pénurie alimentaire, tension sociale. Dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, il y a urgence pour le gouvernement haïtien d'adopter une série de dispositions pour éviter les situations compliquées dans le pays. Dans une circulaire en date du mercredi 13 mai, les autorités ont annoncé que des mesures visant à augmenter la production agricole ont été adoptées. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles est appelé en ce sens à favoriser rapidement la production agricole en vue de garantir la disponibilité constante de l'offre agricole, d'assurer en permanence la disponibilité sur le marché d'un stock d'engrais suffisant pour toutes les composantes, de constituer un stock de semences de qualité en privilégiant les cultures de cycle court, d'assurer le curage régulier des canaux d'irrigation, d'augmenter de 12% la production agricole pour pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de la population. Il faut dire que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, vient en aide aux familles agricoles pour les aider à mieux préparer la saison de printemps dans le contexte de la crise humanitaire. À travers le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, une distribution de semences et de matériel végétal de plantation démarrée le 4 mai dernier s'étendra jusqu'au 15 mai 2020. Cette initiative vise les départements du Nord-Est, du Nord-Ouest, des NIP et de la Grande-Anse à informer la FAO dans un communiqué de la FAO en date du 14 mai. Wensley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duprécis, Louis Bernard sont 6 parmi les 7 membres du groupe Fantôme 509 que la police a interpellé ce mercredi pour avoir, selon la PNH, participé à une attaque contre les locaux de l'inspection générale de la police nationale le 11 mai 2020. Lors d'une conférence de presse jeudi, le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, a informé que Pierre-Yvon, l'un des membres du groupe, fait partie de la 14e
promotion de l'institution policière qui avait été révoquée pour abandon de poste et homicide. Plus de précisions avec Michel-Ange Dujeune au micro de Moïse Saint-Éloi. Éric Garnouel. 11 mai 2020, le monsieur ou bien monsieur dame qui réclamait du groupe Fantôme 509 était fait un rassemblement désordonné côté yoté allé dans zone inspection générale là pour yoté allé investi local inspection générale là les unités SWAT là tenté pour rétablir l'ordre les rivés mettez main arrêté sept monde que nous sommes présentés là yo Wesley Louis la jeunesse Gilberto Jean-Jean Fritz Moïse Ramsès Mackenzie Duplessis Lubin Bernard mais yon n'a pas qui doit attirer attention nous monsieur nous avec les maillots rouges qui campait là. C'est un policier de la 14e promotion, M. Relé Yvon, Pierre Yvon. M. ça a été révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice t'a pris le condamné pour homicide. M. est rentré pénitencier national le 26 mai 2004 et le 19 février 2005. Monsieur Tapral évadé. Donc c'est un évadé de prison. Pas oublier nous te dit nous fantôme 509 là, li gen policiers des vrais policiers là-dedans, li gen des policiers qui révoqué là-dedans, li gen des policiers qui en instance de révocation. Et là nous gen cas ayon évadé de prison. Et mon capable rappeler numéro que monsieur te gagné là dans prison, hein? C'était PNH 04 05 163. C'était le numéro ça monsieur te gagné elle était écroué pénitencier national avant que elle était évadé en date du 19 février 2005. Michel-Ange Louis-Jeune informe également que la police nationale recherche activement Jules James Josué, un autre membre du groupe Fantôme 509 qui est accusé de détention illégale d'armes à feu et complot contre la sûreté de l'État. Michel-Ange Louis-Jeune demande à la population de collaborer avec la police pour mettre la main au collet de l'accusé. Michel-Ange Louis-Jeune. Directeur général de la police, là, M. Normil Rameau, les papes tolérés en qu'un désordre. Et sous quelque nature qu'il t'a caillé, sous quelque soit forme qu'il t'a caillé. Et dans ce sens-là, il instruit tout directeur central, tout directeur départemental, les commissariats et les sous-commissariats de police, toute structure police la net, pour qu'ils travaillent sans relâche, pour qu'ils appliquent la loi avec règlement que le pays a mis à la disposition, pour qu'ils soient capables de contourner le désordre. Et pour être capable de contourner le grand banditisme, à savoir arrêter les gens qui ont fait des audios, traîner par devant l'autorité de justice. À telle enseigne, nous avons l'autre monde encore que la police a commencé à identifier parmi les gens qui prennent part dans le fantôme 509. Là. Et depuis la semaine dernière, nous avons mis un avis de recherche que un pile monde dans la presse a gagné. Donc c'est Jules James Josué, qui c'est un ancien policier et qui révoqué dans la police là, d'accord, pour vol à main armée, assassinat, incendie criminel, d'accord, complot contre la sûreté intérieure de l'État et monsieur c'est un membre actif dans monsieur ou bien monsieur dame qui bail tête au nom fantôme 509. Et nous mandé opinion publique là et toutes amis journalistes qui là yo quel que soit côté, yo ta wè monsieur ça. Alertez la police dans 38 38 11 11 31 06 05 73. 17 interpellations et 4 armes à feu et des munitions saisies, 3 véhicules confisqués. C'est le bilan des opérations menées par la police du 22 avril à date, selon le porte-parole de l'institution, Michel-Ange Louis-Jeune. Pour plus de détails, il est au micro de Moïse Saint-Éloi et de Edgar Noël. Le 22 avril 2020, Pour détention illégale d'armes à feu, les nommés Lubin Walki et Le Grand Ricardo. Dans même monsieur Sayo, yo joine un fusil 12 de Mac Trista et 3 cartouches de calibre 12 et 3 cartouches de 9 mm. Et le 25 avril, sur la route de l'aéroport, les policiers du commissariat de Delma ont interpellé pour détention illégale d'armes à feu les nommés Joseph Patrick, né le 17 décembre 1996 à Mirbalais et Pierre Peterson né le 23 août
1998 à Cité Soleil. Nous prenons le soin pour nous bailler date de naissance parce que fort souvent nous parler de yon moun que la police a arrêté ou qu'on voit moun ça qu'on gagne non, même non avec un paisible citoyen et moun nan quartier paisible citoyen ça qu'on a brûlé qu'a dit a pas entendre non à pas dans dans démêlé avec la police. Oscar Thoman, pas vrai que la justice nan ans avo le paquet plus précisément te mette yon mandat de recherche derrière lui et la police dans l'ouest procédé à arrestation ni et comme j'aime te dire non comme accusation c'est détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Donc nous venons information que monsieur c'est chauffeur Anel Joseph que la police a arrêté depuis un bon bout de temps. C'est en tout sorti 22 avril à date la police dans le département l'ouest fait 17 interpellations, 4 armes à feu saisies, 3 véhicules confisqués, 25 munitions et 3 chargeurs. C'est le temps de parler de ce qui se passe dans l'international. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Bienvenue à la deuxième partie du journal. Nous sommes maintenant à l'étranger. On va directement à Washington. Donald Trump durcit encore le ton face à la Chine sur le coronavirus. Le président américain a menacé jeudi de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus parler à son président. Le locataire de la Maison Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan de la COVID-19, près de 300 000 morts à travers le monde, aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. Dans un entretien à Fox Business diffusé jeudi, il s'est dit très déçu de l'attitude de Pékin et a rejeté l'idée de s'entretenir directement avec son homologue Xi Jinping pour apaiser les tensions. Interrogé sur les différentes mesures de rétorsion qu'il envisageait, M. Trump, qui a ces derniers jours évoqué la possibilité d'instaurer de taxes douanières punitives, s'est montré à la fois évasif et menaçant. Depuis 2 semaines, Cuba enregistre plus de guérisons que de nouveaux cas de coronavirus. Mais pour éviter une deuxième vague, l'île lance des tests à grande échelle, redoutant les contagions dans les files d'attente pour acheter à manger. Entre le 26 avril et le 13 mai, le pays a recensé officiellement 473 nouveaux cas et presque le double de guérisons, 889. Mercredi, seuls 6 cas se sont ajoutés pour 49 patients rétablis et un total de 1810 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont 79 décès. C'est la toute fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radiotelevisionpacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé-Haïti. Au revoir.